Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la plateforme exam.net pour passer vos examens, les examens à rédaction sur lesquels dans lesquels vous allez répondre sur la plateforme directement. Alors donc la plateforme c'est exam.net, donc vous devez lancer votre navigateur web que vous utilisez, taper exam.net comme ça. Une fois que vous allez valider, vous allez avoir cette interface là. Alors vous allez choisir étudiant, donc étudiant. Normalement, pour passer l'examen, votre enseignant, votre professeur, il va vous envoyer un code, le code de l'examen que vous allez passer. Alors, ce code-là, c'est ce que vous allez taper ici. Hein? Donc, vous devez taper le code de votre examen ici. Par la suite, vous cliquez sur suivant. Voilà, donc, voilà. Avant de commencer l'examen, vous devez insérer, vous identifier, donc votre prénom. Donc, je vais mettre prénom. Donc, mon prénom, comme ça. Mon prénom, vous devez mettre votre nom, voilà, votre adresse email, vous mettre votre adresse email, et l'identifiant de l'étudiant, c'est votre code Apogée, c'est le code Apogée qu'on vous a donné, hein. Ensuite, cliquez sur « Chercher l'examen ». Voilà, donc vous allez commencer l'examen. Normalement, l'examen, il est à durée limitée, donc votre enseignant va vous prévenir de la durée de votre examen. Donc, il faut respecter la durée. Alors, vous allez commencer l'examen. Voilà. Alors maintenant, sur cette partie de l'examen, vous allez avoir trois parties en fait. Hein. Alors, la première partie sur laquelle vous allez voir les questions de l'examen, voilà, en haut. Hein. Et la partie d'en bas, c'est la partie dans laquelle vous allez répondre. Alors, normalement, c'est un éditeur de texte. Vous pouvez écrire. Alors, par exemple, ici, voilà l'exercice. La première question, il me demande quelles sont les amplitudes des tensions. Hein? Je vais mettre 1. Alors, l'amplitude, par exemple, voilà. L'amplitude de la tension V1 et 2. Bon, je ne sais pas quoi. Bon, je vais mettre 5 volts. Et de la tension V2 et 2. C'est V2, je dois corriger, je dois faire attention. Et 2, bon, je vais mettre n'importe quoi, de 8 volts. Hein. Par exemple, je passe à la deuxième question. Pour répondre, on donne l'incertitude de mesure. Alors, ainsi de suite, vous allez répondre ici. Alors ici, c'est un éditeur de texte. Alors, vous pouvez mettre carrément des points pour ordre, des listes ordonnées. 1, 2, 3, ainsi de suite. Vous pouvez mettre en gras, par exemple, je peux choisir celle-là, la mettre en gras. Je peux la souligner. Je peux carrément insérer des formules mathématiques, peut-être, si jamais il y a une équation. Donc, je peux insérer mon équation. Donc, bon, c'est un éditeur de texte. Des caractères spéciaux, vous pouvez les choisir, à vous en disposer ici pour écrire votre texte. Vous pouvez insérer carrément un tableau, hein, juste choisir l'endroit où vous voulez insérer un tableau. Voilà votre tableau, la taille du tableau que vous voulez insérer, ainsi de suite. Voilà, vous disposez de tout un éditeur de texte qui va vous aider à répondre aux questions. Ok, voilà, ça c'est la première zone sur laquelle il y a les questions. Ça c'est la deuxième zone sur laquelle il y a vous devez répondre. Alors ici, à gauche. Ici, bon, avant de voir cette partie-là, alors si cette disposition ne vous va pas, alors vous pouvez la changer carrément. Alors vous pouvez choisir cette disposition-là. Donc, les questions à gauche et vous pouvez répondre à droite. Sinon, cette disposition, vous allez, sinon vous pouvez la remettre comme ça, l'une en haut, l'autre en bas. Ok. Alors ici, votre enseignant, il peut vous donner, vous mettre à votre disposition certains outils qui vont vous aider à répondre. Par exemple, si jamais vous aurez besoin d'une calculatrice, elle est là, la calculatrice. Si jamais le professeur a mis à votre disposition la calculatrice, vous pouvez faire des calculs en utilisant la calculatrice, bien sûr. Un outil de dessin. Alors, si vous voulez, par exemple, dessiner quelque chose, un graphique que vous a demandé votre professeur, alors vous pouvez utiliser tracer un graphique, je fais n'importe quoi, en répondant à au questionnement de votre exercice, par exemple, je fais n'importe quoi, n'importe un histogramme, par exemple, qui représente quelque chose. Bien sûr, vous pouvez carrément mettre du texte, ainsi de suite, faire des espaces, comme vous voulez. Hein. Alors, voilà. Donc, une fois que vous avez fini votre graphique, alors, vous devez l'enregistrer.
ici, enregistrer le graphique. Et bien sûr, vous disposez d'un certain ensemble d'outils pour réaliser votre graphique. Une fois que vous avez fini votre graphique, vous pouvez l'enregistrer. Une fois que vous avez l'enregistré, alors voilà le graphique, l'image a été placée dans la zone d'écriture. OK? Si vous revenez à votre examen, vous allez voir votre graphique que vous avez réalisé. Il est sur la partie de rédaction de vos réponses. OK? Alors, sinon, il y a à scanner la solution. Alors, si jamais votre exercice il vous demande un certain développement, alors que vous ne voulez pas faire sur la plateforme, hein, si, en tapant le texte, alors vous pouvez le faire sur un bout de papier, bon, une feuille blanche sur laquelle vous allez répondre, bien sûr. Une fois que vous avez fini de répondre, alors vous pouvez soumettre la réponse à partir de votre téléphone. Alors, vous allez écrire sur une feuille papier la réponse. Là, je prends par exemple ici, voilà la réponse. J'écris. Une fois que vous avez écrit la réponse sur la feuille papier, vous allez choisir scanner la solution. Et cette fois-ci, vous devez avoir votre téléphone à votre côté qui est connecté à Internet, bien sûr. Et vous allez utiliser un scanner de code QR. Okay? Une application de scan de code QR que vous allez utiliser par votre téléphone. Alors, donc, je vais carrément vous enregistrer ça pour l'ajouter à la vidéo. Alors, donc, vous allez choisir un scanner de code. Voilà. Vous allez scanner le code. Voilà. Pardon. Voilà. On va scanner le code sur le téléphone. Il va nous demander de scanner ensuite la réponse. Alors, donc, je vais choisir, bon, mettre la feuille de réponse à disposition dans une position correcte, lancer le scan, donc, comme si vous êtes en train de prendre la photo. Il faut que votre écriture soit correcte et lisible, bien sûr. Il faut prendre la photo correctement pour que la réponse soit lisible au professeur. Je lance, voilà, je valide. Voilà, il y a le bouton télécharger. Je clique sur télécharger, voilà. Normalement, l'image va être enregistrée. Téléchargement du fichier. J'attends un moment à ce que l'image soit uploadée sur la plateforme. Voilà. Normalement, question de sécurité, elle va vous demander un code. Le code, il est écrit sur votre téléphone. Vous devez le taper sur ici. Taper le code. Voilà la réponse. L'image a été placée dans la zone d'écriture. OK. Et vous pouvez revenir sur l'examen pour voir l'image qui a été insérée. Voilà, l'image elle est insérée dans votre feuille de réponse. Voilà, donc vous disposez ensuite de la possibilité de chatter avec le professeur. Si jamais vous avez une question à poser au professeur, vous pouvez la poser au professeur. Monsieur, est-ce que on peut utiliser, bon, n'importe, hein. La question, vous validez, la question elle est envoyée au professeur, donc il va vous répondre normalement. OK. Alors, une chose très importante, une fois que vous êtes sur la plateforme, essayez de ne pas sortir de la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il y a un mode de sécurité qui va avertir l'enseignant comme quoi vous êtes sorti de la plateforme. Ce qui veut dire que vous êtes en train de chercher autre chose, hein. Alors, vous pouvez remarquer, accès bloqué. Alors, j'ai essayé de chercher de quitter l'examen. Alors, il m'a dit que votre accès à l'examen a été bloqué temporairement. Vous n'êtes plus en vue de la zone d'examen. Donc, je n'ai pas la possibilité de continuer mon examen. Alors, je dois fournir une explication. Alors, bon, je veux consulter, bon, la raison pour laquelle vous avez quitté. Alors, et demander à être débloqué. Alors, ici. Alors, il y a une sanction de une trentaine de secondes. Alors, vous devez attendre une trentaine de secondes avant de pouvoir continuer votre examen. Et cela dépend, ça dépend du paramétrage qui a été fait par votre professeur. Il se peut que ça soit 30 secondes, 1 minute, 1 minute et demie. Il se peut que vous allez être carrément bloqué et c'est au professeur de vous débloquer. Donc, faites attention, une fois que vous êtes sur l'examen, ne quittez pas l'examen qu'après avoir fini et qu'après avoir soumis votre examen. Alors, une fois que vous avez fini, pour soumettre l'examen, donc ici, il y a le bouton soumettre l'examen. Donc, vous avez répondu à toutes les questions, vous êtes sûr de vos réponses, vous cliquez sur soumettre l'examen. Voilà, soumettre, êtes-vous sûr de vouloir terminer et soumettre l'examen? Parce qu'une fois l'examen soumis, ça y est, vous n'avez pas la possibilité de le reprendre. Donc, soumettre l'examen, voilà, c'est bon, c'est fini, vous avez soumis votre examen et c'est fini.